Oui, alors le principe général hein, qu'on a adopté pour ces conseils des ministres délocalisés, c'est effectivement dans un premier temps que les communes, chaque commune qui nous accueille, puisse nous exposer ses projets, ses difficultés, les dossiers qui sont en cours, là où il y a besoin de mettre de l'huile, on va dire ça comme ça. Donc FAA nous a exposé un certain nombre de requêtes en termes d'aménagement routier, des infrastructures dans les quartiers. Et ce grand projet donc, d'un stade couvert en lieu et place de celui qui existe aujourd'hui, ce qu'on appelle le stade Ganivet, c'est un projet intéressant, surtout dans l'optique pour le pays des Jeux du Pacifique en 2027. Si on ne dispose pas aujourd'hui d'une infrastructure de ce type, d'un stade couvert, avec autour des infrastructures qui pourraient servir à la formation de nos sportifs, et qui pourrait également s'intégrer dans le projet social et de logement de FAA. Donc c'est un projet qui est initié par la commune. J'ai demandé donc au service de la commune de se rapprocher des nôtres pour qu'on puisse avoir d'une part une meilleure idée des fonctionnalités qui sont afférentes à ce projet, ensuite de l'enveloppe financière que ça représente, et puis surtout de la capacité temporelle de mise en œuvre de ce projet. Parce que si c'est un projet qui ne peut pas être mis en œuvre avant 2027, on est évidemment dans un autre contexte que celui des Jeux du Pacifique.